Tell us about the recent storm that just devastated Haiti. I've spoken to many Ikuan and Akua over there, and everyone seems to be accounted for from those I know. Are you aware of any Muslim fatalities or property losses or missing people? Are there any destruction to any of the masajid there? Dis-nous des destructions qui sont arrivées, des cyclones Matthew qui sont passés à Haïti. Est-ce qu'on est des anciens musulmans qui frappaient comme Caillou, Barakosa, qui propétaient, qui écrasaient n'importe Barakosa, monde qui souffrait anciens mal des cyclones-là? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, et ça, c'est ça vraiment important d'est-ce que vous demandez nous comment musulmans y en Haïti par rapport avec des vases ça passé à cyclone Mathieu qui ravagé. Je voulais attirer l'attention, cyclone n'a pas de coup passé, musulmans en Haïti a vivre dans une condition vraiment rété à désirer. Donc, yo vivent vraiment, vie a vraiment difficile pour yo vie. Arrivé des cyclones ça qui viennent passer en là, vraiment plusieurs nan yo victimes, gen yo kay yo krasé, gen yo même mosquée yo peut-être yon ou deux pa épanier À qui un moment. victimes tout. Donc en réalité, musulmans vraiment nan besoin aide nous-mêmes étant que musulmans et capable porter pour yo, capable accompagner yo, capable courir yo. Inshallah. Oui, je comprends. He was just notifying us that there are some Muslims who lost property and suffered from the destruction that ravaged Haiti and whatnot, and that the Muslim community in Haiti that they're in dire need of assistance, and because of the fact that they're victims to this catastrophe, and that a lot is going on and the need that they need. Are you familiar with the Haitian historian Bayine Bello, who asserts that the first emperor of Haiti was Muslim? Est-ce que vous connaissez un historien Haïti qui est le Bayine Bello? Lui dit que le premier emperor Haïti, Jean-Jacques Dessalines, était un musulman. Est-ce que vous connaissez un dame là? Si c'est pour reconnaître, nous pas reconnaître dame nan, mais nous tendez parler des histoires et puis force dans un certain c'était musulman. He hasn't heard of Bayine Bello, but he knows the history that most of the original Haitians who first came to the island, they were Muslim. Tell us about the Bookman theory. Dis-nous des histoires Bookman que yo dit lui c'est un musulman, bah comme ça. So, raison de faire. Tout le monde dit Bookman c'était musulman, mais il y a une partie qui dit c'était un prêtre vaudou. C'est par rapport avec le Saint-Coran que Bookman te gagne l'étape, il commençait dans le sens inverse par rapport avec le livre de nos jours. Donc, mon dit ça, c'est un livre mystique, mais l'île des Vendéens, etc. Mais Bookman vraiment c'était un imam qui était resté dans une zone. So he was an Zone nan imam. yo di yes, yon imam. Longtemps, esclaves n'ont pas de liberté yo, pour yo dire, je dis à une réunion la caille imam nan. Non. Yo dit, je dis à une réunion nan bois caille imam nan. Mais yo déformé, yo dit bois caille imam, ce n'est pas bois caille imam. Pour yon côté. So what Yes. then you're saying basically that at that time they wasn't able to converge in the different houses and whatnot. Yo pa ka reyni an akay, so yo te di e bwa ka imam yo prale. They're going to not the house of the imam, they're going to the woods, next to the house of the imam, and they change the word. Yo deforme mwa. Yo déformé moi, mais sinon, je dis à réunion, sinon, moi, kay imam nan. Ouais. Donc, alhamdoulilah, nous les musulmans, nous reconnaître que vraiment l'islam t'a aidé nous pour l'indépendance. En réalité, Boukman, c'était un imam. Pour yon di yon zon re le bwa ka iman, selon kultu pa nou an Haiti, fok gen yon marekaj, sa vle di ki dwe gen yon lagon, dwe gen yon dlo ki kache jist pou atire ka iman. Nan zon sa dlo, difisil pou trouve. He said Sa because pouvo the se area verite. that they call Bwa Kaiman, where the Imam Bookman was at, it's impossible for it to be a name since if you look at the geographical location of Haiti, there's not a lagoon or swamp and everything for alligators or crocodiles to be in. So for it to be called Bwa Kaiman, as far as Kaima, meaning alligators or whatnot, it's impossible. So the only presentable meaning for it would have to be that, this is the house of the Imam, Bwa Kaiman. Oui, nan bwa ka imam nan, yeah. All right. I remember a few years ago that the brother Billy Kishner, Rahimahullah, had a radio or a TV program for Dawah broadcasted through Telemax for the general Haitian people. He passed away in December 2015, so who is his successor?
changé que qui année passé te gien frère qui le Billy Kishner li sot mouri qui a la gien grâce sur lui il fini li te gien un programme radio ou télévision qui on allant radio ou télévision te gien radio di gien programme radio télévision oh li te gien tous les deux il fini me changé le te mouri en décembre 2015 est-ce que gien moun qui remplacer le kounia donc pour le moment toujours gien staff qui responsable radio a. Mais c'est médecin qui achète une partie dans l'action dans la radio. C'est un candidat à la présidence en Haïti. Okay. Mais par contre, nous avons Rubens Hamad Karies. C'est lui-même qui coordonne tout le travail qui a commencé, suivant avec nous-mêmes tout qui peut être support nous dans le Koumia, qui est le Conseil national des musulmans haïtiens. So basically, everyone is basically taking up the works that Billy Kishner did, and the brother Rubens Ahmed Kayes yes. is the one who's coordinating the efforts, and everyone from Komia, Haiti is trying to fulfill the role that he played. Okay, now tell us about the curriculum taught at the schools. What is it based on? What books of Akida are the children taught from? Dis-nous de curriculum que nous montrer dans l'école là. Qui ça nous bâtit sur? Il finit qui livre de Akida de la foi comme si concept islam qui est yo montre timoun yo andan. Là parler de l'école dans programme scolaire que nous déjà gagné en Haïti. Oui, le programme islam ou de progression gagné au Filina ni l'école là que nous gagné. So alhamdoulillah nous respecter programme éducation nationale. Okay, they respect the national school system, meaning they fulfill what's obligated upon them by the Haitian government. Chrétien yo, catholique yo, dans l'école yo, yo enseye religion. Nous étant que musulmans, nous enseye religion. Pas nous tout, suivant ensemble avec aide nos jeunes du côté Hamana, juste nous distribuer livre en dedans même petit monde qui dans programme nous gagne. Donc nous fait examen pour yo correctement, yo doit obligatoire, yo doit Okay. He said the same way that Catholics, Christians, and whatnot, they have their schools in Haiti and whatnot, they run it, they perform the national requirements, and they also interject their religion inside of it, and they're taught their faith. The same way we as Muslims, we do the same thing, and we teach them the Islamic faith, and we also get books, you know, different various books from organizations like Amana. Est-ce que aujourd'hui on peut lire nommé Amana? Oui, nous jeunes plusieurs qualités islamique basique en général, Amana fournit nos livres qui répondent ensemble avec programme que nous gagnons dans l'école en Haïti, toutes sortes de livres. Amana gives them all type of books in general that helps to facilitate the programs that they need to know as far as basic Islam, and they incorporate it within the curriculum taught at the schools. Where do the teachers come from? Are all the staff Muslim? Kote teacher yo sorti. Comme si moun ki bay lesson yo kote yo sorti. If ni est-ce que tout moun ki travay nan l'école la est-ce que tout se musulman comme professeur yo? Obligatoire tout professeur nou yo dwe musulman. It's obligatory that of course that every single teacher must be a Muslim. Yeah. Mais kote yo sorti, nan ki zone? Est-ce que tout sorti Haiti? Différentes villes. Nou pa gen étranger qui baille formation dans l'école là. Par contre, nous doit gagner une occasion, même gens nous doit gagner un bayan, une conférence, nous inviter n'importe monde sorti de la Turquie, ici aux États-Unis aussi. Donc pour exposer ou bien pour expliquer timoun yo exemple de la foi, okay. Exemple de comment yo doit vivre islamic basique en général. All the teachers and staff that come from different parts of Haiti. We don't have any foreigners coming to Haiti as far as teaching within our schools, but time to time we may have guests from different countries, for example, Turkey or the U.S. or whatnot, and they'll come and they'll teach us examples of faith, like what's going on, they'll just explain matters to us. Okay, tell us about the incident in 2015 when at the Red Cross, a Muslim baby was infected by contaminated syringe with the HIV virus. I heard there was a massive outcry and demonstrations about such. What levels of violence did it reach, if any at all? Do you feel that the reactions of the people were reasonable or justified? Dim de baga ki te sotrive nan 2015, yo di te gen petit musulman li te al nan la Croix Rouge, nan l'hôpital,
qu'on a li yo infecté avec en qualité sang aiguille qui était guissant qu'on a petite là infecté avec HIV virus sida. Selon information que nous même nous gagnons au niveau de progressia parce que nous gagnons agence nous qui travaille pour informer nous. Donc c'est pas yon c'est un erreur qui passé, c'est pas un bagage de mauvaise foi. It wasn't a matter of bad faith or whatnot. It was an error that occurred. Tout même c'est négligence, All humans are negligent. Côté que yo recevoir sang dans tout monde sans yo pas analyser sang yo non façon normale. They didn't analyze the blood in a good manner, you know, when they processed it. Donc ça arrivé, il fait tout monde mal. It happened and everybody Action was affected public, and sad about it. Un mouvement contre la Croix Rouge pour prouver dans quel contexte ti moun nan té infecté, mais c'est une pure réalité que li infecté par moun ki travaille pour la Croix Rouge. So it really affected the people who worked at the Red Cross. And the only thing we just basically called for the Red Cross to tell us the way that they're examining the blood and to prove that where they're getting the blood from is correct. Man, I also heard that there was violence or something that reached there. Like the people, they were mad and whatnot. They was storming, protesting or something like that. Tandis que peuple musulman, yo te fâché en pile, yo t'a fait que yo fâché en pile, yo tellement fâché, y a fait démonstration, ou quoi comme ça. C'est pas seulement la communauté musulmane haïtienne qui révoltée contre ça, mais c'est toute communauté haïtienne qui c'est musulman, chrétien, juif, etc. Ça c'est un bagage inacceptable. That was a matter unacceptable. It wasn't just the Haitian Muslim community that revolted or reacted in that manner. It was every. This is something that's unacceptable to everybody. It was Jews, Christians, Catholics, and everyone who was also affected and show express outrage at that. Okay. Tell us about the 2013 case of the Egyptian brother stabbing a Haitian brother during Ramadan. Was he just a tourist or member of a Dawa organization? I'm songe nan Ramadan 2013, te gen yon frè ki sot Egypt, e fini li te gen kont avèt an musulman Haiti, yon Haitien. Li te pike l avèt an kouto an bay kò sa. Eske nom sa, eske l te an moun ki an tourist simplement ki sa arrive ou eske l te travay avèt yon organizasyon Dawa Egypt ou an lot bagay? En Haïti, il y a toute qualité, couche, monde, différentes nations. C'est des mêmes aux États-Unis là, nous y est là. Où joignent tout le monde, où joignent juifs, où joignent Jews et everyone. Il pas venir pour une mission, mais ça c'est un règlement de compte. Ça pas gagné rien à voir avec l'islam de qui l'a causé et problème là. C'est un règlement de compte que. This was just a grudge or argument that these two had, and it had nothing. He wasn't working for any Dawa organizations or whatnot. He was just a person passing through, and you know they had a grudge or something like that. What role do you think the Muslims in Haiti have to play? Ki wòl ou pense musulman Haiti gen pou jwe? Ça c'est une question qui est vraiment belle. Mais c'est une réponse qui est capable toujours en futur, gens qui ont posé une question ça en futur. Donc, nous-mêmes rêvons, nous devisons. Nous, our vision, pour, our dream. C'est changer la situation de vie moun en Haïti. To change the daily life and condition of the people in Haiti. Oui, nous sommes musulmans. Nous reconnaissons que nous sommes meilleurs. Et and we know that we're superior and the best of mankind. En pile moun rekonèt ke nou se meyè, mais pour nous prouver que nous se meyè, jwenn ou de progresi ap travay de konsè avec un pile partenè international. The way that we nou coopérer pour nous changer vie humaine, la condition de vie moun yo. Inshallah, avec programme Dawa que nous travay de konsè avec Hamana, inshallah nous espérer que nous capable rive nan pré-nouvelle rivière, c'est by une autre image de Haïti such as the programs à travers l'islam the programs and activities that we're working with our partners such as Amani and other than them we're hoping that this affects and change the conditions like through the activities and programs that my organization Islam Order Progressia Haiti is doing that we hope that it affects and it advances the cause of the Muslims in Haiti and the people in Haiti in general
What do you think is the role of the Ummah to the Jamaat in Haiti? Ki wòl ou panse Ummah nan totalite gen pou wè pou musulman nan Haiti? Kom si Ummah International, ki wòl yo gen pou ede ou pou relasyon avèk musulman ki Haiti? Allah Azza wa Jalla di nan Quran nan nou si yon sel kominote. Allah Azza wa Jalla in the Quran, he says that we're one Ummah, we're one community. Lorsque la padresse ensemble avec nous, il dit ya hayya la zina, il dit nous même croyons, il pas dit Haïti, il pas dit États-Unis, il pas dit Canada, il pas dit la France. Due to the fact that in the Quran he said ya ayyuhal ladhina, this means everyone. This isn't addressed to the Haitians, this isn't addressed to Syrians, this isn't addressed to Arabs, black, white or anyone. Aussitôt que nous reconnaître que nous sommes seuls vraiment, since we recognize that we're in reality that we are one, l'un doit penser avec l'autre en pi fort et de pi faible. The one we must help one another. The one that's strong must help the weak. Vrai basique là c'est dans connaissance. And the real basis of this all is through understanding. Message m'a envoyé by communauté internationale là tout musulman à travers le monde. Lorsque Jean Amana fait là, il fournit nous des documents qui montrent nous vraiment côté droit nous commencer côté le fini. Qui ça qui vraiment l'islam là? Yo même yo capable porter appui tout nan pendant cette année imprimer livre n'a péché etc pour arriver avec des documents et pour yo venir tout en Jamaat pour yo vivre réalité haïtienne ensemble avec nous vivre comment musulman yo même a vivre les ça y a mieux comprendre problème qui gagné nan Houma en Haïti. He says like the way that Aman is doing with the books that they're giving us. It teaches like multiple books that they have through in stock and whatnot, as well as other books of Islam that we take from. They teach us where things begin and where things end. It teaches the rights of the Muslims and all of these things. And kiso kote ute di de. Nous vraiment intéressés pour yo sorti quel que soit côté et à travers le monde parce que nous sommes seuls visiter Haïti et Haïti gain vraiment. Des problèmes côté yon musulman pa ka résoudre li peut-être tout haïtien pa ka résoudre li mais si nous tout état qui musulman à travers le monde qui c'est arabe américain pakistanais turc mettez ensemble pour prouver vraiment nous c'est un seul et puis conditions de vie a changé en Haïti. There are problems that maybe one Haitian can't find a solution to, or maybe all of the Haitians can't find a solution to, but us as an Ummah, you know, we can come, whether it's Pakistani, whether it's Yemeni, whether it's Turkey, whether it's Syrian, Saudi, or wherever, we can come and find the solution to these things. Inshallah. Inshallah.